porte des tongs et des chemises en lin. Il pratique l'hypnose et la bougie parfumée. Il boive des bières aux épices, d'ailleurs brassées par le petit café solidaire Librairie. Ils viennent d'acheter le tout nouveau combi Volkswagen électrique, 52 850 euros en prix de base. Sans eux, la France rurale serait un désert peuplé de gens mal éduqués qui votent RN. Ils sont les néo-ruraux. Ils sont assez divers, les néo-ruraux, mais tous sont très gentils car ils votent pour Mélenchon. La très grande majorité a bien travaillé à l'université. Le néo-rural est pour beaucoup un intellectuel et même un intermittent du spectacle. Peut-on les repérer sur une carte? La réponse est oui. Le néo-rural a beau dire son amour de la nature, elle doit être chaude. Mis à part dans le Perche, qui est, il est vrai, un quartier de l'ouest parisien, le néo-rural cherche le soleil qu'il trouve selon une sinusoïde qui va de l'Ariège à l'Isère en passant par les Cévennes, le Lot, le Larzac, l'Ardèche, la Drôme qui est un nid à néo-rural et évidemment le Luberon. Il n'y a pas d'accent sur le E, le 21e arrondissement de Paris. Chacun aspire à loger dans les endroits les plus cotés, les plus sympas, les plus agréables. Ce que nous avons appelé avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli la France triple A. La France instagrammable, celle qui nous fait rêver, qui arrive tout en haut de l'échelle. Pour affiner la localisation, il faut repérer les zones où l'on est à 2 heures maximum de la grande ville. Le néo-rural est un écolo, jamais loin d'une autoroute, du TGV et parfois même, et si, de l'aéroport. Autre signe qui ne trompe pas sur une carte, le néo-rural achète toujours loin des zones de grande culture. D'ailleurs, là où il se trouve, le bio et l'élevage de moutons se développent grâce à lui, certes, mais surtout parce qu'on ne peut rien faire d'autre en agriculture. Dans le détail, je vous l'ai dit, il y a une biodiversité néo-rural. Disons qu'il y a 3 sous-espèces. Les habitants des alentours amènent leur récolte et ils aiment bien repartir avec leur huile. C'est bien, le bidon et le noix. C'est bien. C'est pour le faire voir que c'est de l'huile de noix. Il y a une grande fidélité. Voilà. On se prend plus le temps aussi. Hein. Oui, ouais, de rester vrai. Un peu au moulin, ouais. De parler. De... On a le temps de parler aux gens aussi. Ce qui n'est pas le cas, je pense, à Paris ou dans des très grandes villes. Alors je mets tout de suite de côté le néo-rural qui ne l'est plus, celui qui, en digne héritier du hippie, s'est installé là où il a pu, a acheté une bicoque pourrie qu'il a retapée, a su créer son boulot et des réseaux d'entraide. Il n'emmerde plus personne et mine de rien, il a apporté au village une autre façon de voir les choses. Au-delà d'assurer la pérennité de la production d'huile, le couple vend aussi les produits du terroir et contribue donc à redynamiser le village. C'est essentiel, parce qu'ils apportent notre regard aussi, mais il faut aussi, celui qui arrive, il faut aussi qu'il s'investisse. Examinons plutôt les néo-ruraux qui parlent trop. Alors il y a d'abord le bobo qui en a marre d'être tout le temps à la ville et souhaite se trouver une soupape champêtre, hein, comme le dit joliment Jérôme Fourquet, pour le week-end ou lorsqu'il est en pleine phase de créativité. Ce néo-rural a des sous, c'est juste un petit bourgeois, voire un gros qui a ses habitudes dans le Luberon. Il y a aussi le néo-rural pauvre mais qui n'en a pas l'air. Bref, le bobo traditionnel, sa seule présence en ville avait fait monter les prix de l'immobilier jusqu'à pousser dehors les prolos et voilà qu'il se retrouve lui-même poussé dehors par plus riche que lui. Il est devenu pauvre mais riche de son capital intellectuel, comme on dit, bien fait. Le bon air pur, les habitants bourrus mais au cœur d'or, les petits légumes bio et les boudins chauds encore tout fumants, mais surtout, miam miam l'immobilier pas cher. Seulement voilà, ces conditions de vie merveilleuses disparaissent à peine posez-vous votre pied sur nos terres. Alors, chers citadins, restons amis, restez chez vous. Alors, il ne vous dira pas que c'est à cause de cela qu'il quitte Paris ou Lyon. Bien sûr, il vous dira qu'il cherche à ralentir cette vie folle, à s'éloigner de la société de consommation, se rapprocher de la nature et des gens, des vrais gens, vous savez, ceux qu'on trouve chez le petit boucher. Il ne vous dira pas non plus que le collège était devenu, comment dire, mal réputé avec des faibles résultats au brevet. Alors ce bobo rural très fatigué vend très cher son 3 pièces et s'installe donc à la campagne, enfin riche, là où ses semblables sont déjà et il va travailler à la ville, dont il n'est jamais très loin. Alors celui-là, hein, c'est le néo-rural de la Drôme qui est un nid, un télo précaire. Ensemble, ces 2 espèces, néo-rural, riche et pauvre, hein, créent des clusters d'où ils expliquent aux indigènes comment il faudrait vivre.
dorénavant. Les opposants sont des citadins qui ont une résidence dans le hameau le plus proche à près d'un kilomètre. Ils n'ont jamais rencontré l'agriculteur, mais ont fait une pétition contre son élevage. Tu as eu 150 signatures. 150 signatures. Ouais. Ces riverains craignent pour leur tranquillité. J'ai peur d'être dérangé dans le cadre de cette campagne, à la fois par des odeurs, du bruit, du fait de la dépréciation de nos maisons. On est une région très touristique. S'il est installé là, c'est vrai que c'est embêtant pour les gens qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes. C'est dommage pour les touristes qui font la Loire à bicyclette de devoir passer à côté d'un élevage qui sent mauvais. Dans ces comptoirs écopolitiques, ces villages revivifiés, les bobos ruraux réinventent la société en essayant de changer la campagne pour qu'elle ressemble à ce qu'ils fantasment, une ville avec des vaches et des magasins où on vend des têtes d'oreiller éthiques. Ils vivent entre eux sans se mélanger aux autres, qui vivent d'ailleurs aussi entre eux. Ils vivent même parfois dans des kibboutz appelés écolieux où tout le monde se doit de penser tout pareil. En définitive, ces néo-ruraux plus ou moins aisés transforment l'endroit où ils sont à force de boutiques, de déco, de caves à manger où on dit bonne dégustation et de fermes de plantes aromatiques. Ils instagramisent les lieux et font monter, encore une fois, les prix de l'immobilier aux dépens des jeunes nés ici dont les parents, nés ici, vendent aux néo-ruraux tout en s'en plaignant. En fait, les néo-ruraux sont juste des petits colons et donc, c'est une idée à la con.